Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Choup Barbecue. Aujourd'hui encore une nouvelle recette. On va partir au Canada. On va faire du bacon à l'érable. Là-bas ils appellent ça un bonbon à l'érable. Et croyez-moi, c'est un régal. On va démarrer notre recette les amis, sans préparation. On est en feu indirect. Mon feu il est vraiment là sur le côté. Donc je pose directement sur la grille. J'ai un feu pas très très chaud. Aux alentours de 100-150 degrés à peu près, c'est très bien. Faut surtout pas que le bacon cuise trop vite. Là, pour nous, français, on appelle ça de la poitrine de lard. Et là, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est prendre notre sirop d'érable au pinceau. Et on va venir bien badigeonner tout ça. Ah, ça prend tout de suite une belle couleur. Ça sent déjà un peu le caramel avec les petites gouttes qui sont en train de tomber. Un petit truc que je fais moi personnellement, je rajoute juste un peu de piment. Ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire ça nature, mais le piment va relever un petit peu. Je vais laisser cuire ça vraiment doucement. D'ici 5-10 minutes, on va tout retourner et on va remettre du sirop d'érable. J'ai donc retourné mon bacon. Je vais remettre un tout petit peu de piment d'Espelette sur le deuxième côté. Je vais remettre la seconde couche de sirop d'érable. La recette est déjà terminée les amis, regardez-moi ça, c'est pas beau, ça tient vraiment tout seul, ça sent vraiment super bon, ça sent bien le sucre. C'est franchement terriblement bon, ils ont vraiment des super recettes ces Canadiens les amis, croyez-moi. Donc vous avez vu, il faut pas grand chose, juste un peu de bacon, moi j'ai rajouté un peu de piment, un peu de sirop d'érable et on fait cuire ça à basse température environ une heure entre 100 et 130 degrés. C'est tout simple à faire. Il n'y a plus qu'à les amis. Je vous dis à bientôt. Évidemment, je vais vous demander si ça vous a plu un petit pouce bleu et très important, si vous voulez recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos, on clique sur la petite cloche les amis. À bientôt. Ciao, ciao.